Charlotte, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul spécial Sephora Gold, oui, parce que on a passé la période des journées Gold. Après toute cette période un peu compliquée, ils nous ont fait, au lieu de faire des soirées Gold, ils nous ont fait des journées Gold pour répartir un petit peu l'affluence. Oui, c'est comme ça qu'on dit, l'affluence dans les boutiques. Alors, pour tout vous dire, j'ai raté ma journée Gold dans mon Sephora. Donc, du coup, je me suis un petit peu rattrapée avec le code que l'on reçoit en général après la journée Gold, on reçoit le petit code par mail et c'est valable, bien évidemment, c'est 25% valable sur tous les produits, même les marques exclues. Donc, on est bien content. Alors, j'ai entre autres acheté deux produits qui n'étaient pas prévus au programme, mais pour ça, je remercie Tortue et Karine Miss Boop de m'avoir fait parvenir le bon plan, puisqu'effectivement, il y a eu un code qui est sorti de nulle part, qui, je ne sais pas dans quel contexte il a été dévoilé ou quoi que ce soit, c'est un grand mystère par rapport à ça, mais qui permettait aux détenteurs de la carte Gold d'avoir un bon de 30 euros valable sur tout, sans minimum d'achat, et donc du coup, et c'était, on avait le droit à deux commandes. Au bout de deux commandes, le système bloqué dit non, non, vous avez déjà eu, etc. Donc autant vous dire que j'en ai profité dès qu'elles m'ont fait parvenir cette information, et donc du coup, j'en ai profité pour acheter deux produits qui étaient dans ma wishlist et sur lesquels j'hésitais un petit peu, et là du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, j'ai fait plusieurs commandes, donc en fait trois, deux par rapport à l'offre tombée du ciel, si on peut dire, et une autre avec mes produits que j'avais plus ou moins dans ma wishlist avec le code Sephora Gold. On va commencer avec les soins, et l'un des produits justement qui était dans ma wishlist et que j'hésitais, je me suis dit oui, non, j'ai bien envie, mais je veux pas mettre ce prix-là, etc. Donc du coup, j'en ai profité avec les moins 30 euros. Il s'agit du gommage de chez Wishful, donc la marque soins de Huda Beauty. C'est le Yo Glow, donc le gommage aux enzymes. J'hésitais en fait parce que je savais pas trop, c'est un gommage enzymatique, certes, ce que j'aime, mais en même temps c'est un gommage mécanique puisqu'il faut venir faire des petits cercles pour justement gommer les impuretés, etc. avec le produit. Alors je voulais pas non plus mettre 39 euros parce que le produit coûte 39 euros. Alors l'avantage, c'est que dernièrement, ils ont sorti un petit format voyage qui coûte 21 euros. Mais bon, pour le rapport quantité, là avec les moins 30 euros, je me suis dit, allez, vas-y, pour 9 euros, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Donc, j'ai essayé, en fait. J'ai pas pu m'empêcher. Dès que je l'ai reçu, je l'ai essayé et... je peux d'ores et déjà vous dire que ça s'est très bien passé. On en reparlera dans un haul update ou... je dois avouer... Alors, à part le fait que moi, les gommages enzymatiques que j'utilise, la plupart du temps, ce sont des gommages... Enfin, des produits que je pose qui agissent tout seuls et qu'on rince. Là, il faut masser, donc il y a quand même un petit peu de boulot. Mais au niveau du rendu, je dois avouer qu'on a plutôt pas mal de choses sympathiques. Donc, je vous dis rien pour l'instant. Je vous dis juste que la première application s'est bien passée, mais on en reparlera, sachez-le. Dans le même genre, niveau soins, pour avoir un teint éclatant, une peau merveilleuse, etc., je me suis laissée tenter par le produit de chez Herborian, le dernier masque, le Red Pepper Paste Mask. On va y arriver. Donc, ce fameux masque soin concentré d'éclat qui est au piment rouge. Alors, bien évidemment, ça pique pas. Enfin, je ne l'ai pas essayé celui-là par contre. Mais à ce qui paraît, ça pique pas. Tout simplement parce que j'aime la marque Herborian, que j'en ai entendu parler plutôt en bien. Et que je trouvais ça original, en fait, un masque au piment. Moi qui adore le piment à manger, je me suis dit que voilà, ça pouvait être aussi sympathique.
Enfin, le dernier produit, soin, enfin soin, on arrive un peu dans le make-up en fait. Il s'agit de la nouvelle marque qui a débarqué chez Sephora, la marque Ole Henriksen. Et donc, bon, en ce moment, si vous allez sur le site, c'est mis en avant, etc. Leur produit pour un glow éclatant, etc. Et je me suis laissée... Alors, j'ai failli prendre toute la gamme, en fait. J'ai failli prendre la crème visage, la crème pour les yeux et le primer. Et puis après, je me suis dit, non, Laetitia, t'as dit il n'y a pas longtemps qu'il fallait que t'arrêtes un petit peu d'acheter du soin pour faire des backups. Donc, on va y aller mollo. Cela dit, des primers, j'en ai aussi une blinde, mais j'ai pas pu résister. Donc j'ai pris le Banana Bright Face Primer. Donc c'est un primer, mais à la vitamine C. Et ça, je n'avais pas. J'en ai beaucoup des primers. J'en ai des lumineux, j'en ai des matifiants, j'en ai des hydratants. Mais je n'avais pas à la vitamine C. Donc la vitamine C, c'est censé justement donner de l'éclat à la peau, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Illumine instantanément, hydrate et améliore la tenue du fond de teint toute la journée avec de la vitamine C. Donc, j'aimais bien en fait le côté un peu soin et make-up en même temps. En plus, je pense que c'est un bon produit pour découvrir la marque. Et donc, si déjà ce produit-là me convient, je verrai plus tard pour les autres produits. On va maintenant passer au make-up et... Je pense que j'ai été quand même raisonnable. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai tellement de palettes à tester que je freine des quatre fers. C'est un travail sur moi. Oui, je freine des quatre fers pour pas acheter de palettes. Pas trop, en tout cas. Bon, pas trop. Donc, je n'ai pas craqué sur des palettes chez Sephora. Mais par contre, je me suis laissée tenter par quelques produits, hein, n'est-ce pas ? Et un petit produit qui était dans ma wishlist. Devinez-vous lequel ? Alors, dans ma dernière wishlist, ici. Bon, il n'y a pas énormément de produits qu'on peut trouver chez Sephora dans ma wishlist, mais il y en a quand même. Le premier produit, c'est un produit qui n'était pas prévu au programme. Je vous l'ai dit, c'est un des produits qui a bénéficié de la super réduction tombée du ciel. Il s'agit en fait du bronzer de chez Nars. Alors Nars, c'est pas forcément une marque que je kiffe grave, comme on dit. J'aime bien, il y a certains produits. Après, les produits pour le teint. Je suis peut-être un petit peu plus produit pour le teint que produit pour les yeux, pour la marque. Mais du coup, je me suis laissée tenter pour la poudre bronzante édition limitée de cet été. Parce qu'elle est trop belle. Non, franchement, ça faisait longtemps que je voulais un bronzer Nars. J'en ai un qui est dans un petit coffret, en fait, où il y a le bronzer, un highlighter et le fameux blush orgasme. Mais c'est un tout petit format qui arrive bientôt à la fin. C'est un produit que j'ai depuis des années. Et j'ai pas de bronzer Nars autre que celui-ci. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Alors, c'est... ils mettent juste poudre bronzante. Ah non, Paradise Found. Et regardez-moi ce packaging. Franchement, moi j'aime pas trop les packagings des blushs et des bronzers de Nars parce que vous savez, c'est la texture un petit peu gomme là qui accroche tout, qui vieillit assez mal, je dois dire. Mais là déjà, on n'a pas cette fameuse matière. Et en plus, le design de cette palette est magnifique. Rien que pour le design, voilà. En plus, à ce prix-là, là, le bronzer coûte 45 euros. Et là, du coup, il m'est revenu à 15 euros. Donc, autant vous dire que je suis ravie. Et donc, je vous montre l'intérieur. Alors, c'est du topper. Hein. La première couche, vous voyez le dégradé de gold. C'est du topper. Mais est-ce que j'aurai le courage ? Est-ce que j'aurai le courage d'enlever ça ? À la limite, on peut peut-être juste passer le pinceau au-dessus et garder ce côté un peu gold. Non, franchement, c'est trop beau. C'est un très très bel objet, je dois l'avouer. Et des collections d'été cette année, parce que je vous disais justement dans ma fameuse wishlist anti-haul, j'ai été quand même un petit peu déçue de la plupart des collections d'été.
alors que ce sont celles qui me font le plus vibrer en général. Mais par contre, celle-là, je dois avouer que... Enfin, celle-là. Pas toute la collection de Nars, mais ce bronzer, en tout cas, devait être dans ma collection. C'était une obligation. Alors là, c'est pas... C'est pas tant pour l'objet en lui-même, parce que vous allez voir que ça n'a rien de... C'est une nouveauté, donc je me suis laissée piéger. Il s'agit... C'est encore un bronzer, mais cette fois un bronzer crème. Et cette année, je pense que c'est mon année des bronzers crème. Je n'utilise quasiment que ça en ce moment. Il s'agit des nouveaux bronzers de chez Fenty Beauty. Alors encore une fois, Fenty Beauty, c'est pas forcément une marque que j'affectionne particulièrement. Mais... J'ai hésité aussi pour les blushs et puis je me suis dit, des blushs, surtout des blushs crème, j'en ai beaucoup. J'essaye de m'en débarrasser en ce moment, donc c'est pas non plus la peine. Mais par contre, les bronzers crème. Et donc, ce sont les Cheeks Out, donc les crèmes bronzantes polyvalentes, ils appellent ça. Et j'ai pris la teinte Honey Glaze. Putain, c'est bizarre, ça me... Honey Glaze, c'est... Bah oui, ça doit être la teinte que j'ai choisie. Certainement. Mais je croyais que ça n'avait pas ce nom-là. Ah non, c'est parce que l'une d'entre vous m'a parlé d'une autre teinte. C'est pour ça. Non, non, moi j'ai pris la teinte Honey Glaze, donc qui n'est pas... qui est une teinte médium, en fait, par rapport à la gamme de teintes. C'est la teinte numéro 04. Donc le packaging se présente comme ça. Alors, c'est pas moche, hein. Mais c'est pas aussi beau que celui de Nars. Et puis, du coup, le... Ah, il y a déjà des traces. J'aime pas faire des traces sur mes produits. Et donc, la teinte Honey Glaze ressemble à ça. Donc, voilà. Ça me paraît pas mal. J'espère que je ne serai pas déçue. Alors, c'est bien crémeux. Ouais, c'est la texture que j'aime. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est crémeux quand on passe le doigt dessus. Mais ça finit par avoir un fini un peu... Poudré mais lumineux. Et donc voilà ce qu'on obtient en fait. Donc non, c'est un joli marron d'été. C'est ce qu'on demande en fait. Donc ça c'est fait. On va passer au blush. Ah, Tortue m'a complètement convaincue. Alors j'attendais, parce que ça fait déjà un petit moment qu'elle en parle, et j'attendais bien évidemment une promo possible. Et j'ai craqué pour le blush de Dior Backstage, mais le coral, c'est ça, la teinte. Elle n'arrête pas d'en parler, c'est pas la seule d'ailleurs à en parler, mais bon, comme c'est ma copine YouTube, j'écoute ce qu'elle dit et je crois tout ce qu'elle dit. Et donc... J'ai craqué pour ce joli blush. Alors, je ne l'ai pas encore testé. C'est un blush corail, comme son nom l'indique, et qui est comme ceci. C'est mon premier blush Dior Backstage. Je crois que j'ai un blush Dior tout court. Ben, je ne sais même plus, d'ailleurs. Enfin, bon, bref, c'est pas... Mais Dior Backstage, en tout cas, c'est le premier... Je voulais pas le rose, mais celui-ci, en fait, m'a bien convaincue. Donc, on va voir si Tortue a raison et que c'est un excellent blush. Alors, je sais pas si vous allez voir, si vous le voyez. Donc, c'est un joli blush corail, assez franc, en fait, dans le corail. Plutôt satiné, enfin, pas satiné, mais un peu lumineux. Non, franchement, ça a l'air d'être pas mal. Donc ça, ok. Et l'autre blush pour lequel j'ai craqué. C'était longtemps que je le voulais. Bah, depuis qu'il est sorti, en fait. Il s'agit du blush de chez Natasha Denona, le Bloom. Alors, ce blush fait pas l'unanimité, j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui le trouvaient un peu... Enfin, que la matière était un peu épaisse. Donc, ce sont les petits blushs comme ça. Hein. C'est un mini. Oui, c'est un mini. Et... La teinte est celle-ci. Donc là aussi, on est sur un corail, mais avec un petit peu plus de rose, je pense, et avec du doré à l'intérieur. Alors, bah, moi, j'aime bien la texture. Enfin, après, je suis une vendue, j'aime bien les... J'adore les,
les blushs, highlighters de chez Natasha Denona. Moi, je le trouve pas épais. Ah ouais, la teinte est superbe. C'est un très beau blush lumineux, rose, rose corail, pêche, pêche plutôt, hein. Pêche, pêche dorée. Ah ouais, ça c'est trop beau. Et franchement, mini, je comprends pas qu'on appelle ça un mini blush. Ils sont grands comment les blushs classiques de chez Natasha Denona? Parce que là, ça fait quand même 4 grammes. 4 grammes, c'est normal pour un blush. C'est pas mini. Enfin bon, bref, je suis ravie. Le dernier produit que j'ai pris, c'est un produit qui était dans ma wishlist. Je sais que certaines d'entre vous en plus ont craqué. Il s'agit bien évidemment du mascara de chez Huda Beauty, le fameux mascara double embout que je vous disais qui m'interpelle. Bah oui, j'en ai profité, hein. En même temps, en général, alors là, c'est pas le cas pour tout, mais en général, je profite des journées gold pour prendre des produits qui sont normalement de marque exclue. Parce que comme ça, ben, on en profite un petit peu. Puis ce sont des produits qui ne sont pas forcément trouvables. Alors, si, il y en a qui sont trouvables ailleurs, mais qui ne sont pas forcément non exclus sur d'autres sites, etc. Donc, bon, bref. J'ai pris ce mascara, alors j'ai pas mal de mascara en cours, donc je suis pas sûre de le tester tout de suite, mais voilà, au moins je l'aurai et puis on verra si ça vaut le coup. Je vous montre vite fait ce que j'ai pris en échantillon, parce que vous avez le droit à chaque fois à 3 échantillons dans votre commande, et donc du coup j'en ai profité pour prendre le masque apaisant. Il y avait le masque apaisant ultra réconfortant de chez Rennes, de la gamme Evercalm, donc ça j'avais bien envie de le tester. Je suis en train de créer une petite routine, alors à base de beaucoup de produits format voyage, etc., de la marque Rennes. Mais justement, pour pouvoir me faire une routine et voir un petit peu ce que valent les produits, parce que Rennes, c'est pas donné, mais en même temps, ça a très bonne réputation, donc j'aimerais bien voir ce qu'il en est. J'ai également pris des échantillons du parfum Si de chez Armani, que j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup la version intense, mais du coup, pour l'été, je me suis dit que peut-être le Si. Ça allait peut-être un petit peu changer. J'ai également pris deux échantillons, alors à deux reprises en fait, pour me faire une vraie idée du parfum Idole de Lancôme. Alors, je sais que j'avais été, quand il est sorti, j'avais pas forcément été emballée, mais des fois, d'une saison à l'autre, mes goûts changent. Donc du coup, je me suis dit que j'allais refaire un petit tour parce que j'aime beaucoup les parfums Lancôme en général et c'était le seul qui m'avait pas forcément accroché. Donc je me suis dit, on va lui redonner une petite chance. J'ai également vu, alors ça, j'ai pas énormément de produits Kérastase, mais ce produit-là m'interpellait. Il s'agit de, dans la gamme nutritive, du 8h Magic Night Serum. Donc c'est un sérum de nuit pour les cheveux. Alors, pour les cheveux secs. C'est pas que j'ai forcément les cheveux secs, mais bon, ça leur fait pas de mal. Et je me suis dit, j'ai pas du tout de masque de nuit. Alors, je sais très bien qu'on peut utiliser une huile et se faire un masque de nuit avec une huile, mais là, en l'occurrence, c'est un produit spécifique. Et Kérastase, encore une fois, je sais que ce sont des produits assez chers. Mais parfois, il y a quand même des pépites dans cette marque-là. Donc, j'en ai deux exemplaires. Je vais pouvoir me faire un bon petit test. Et le dernier, parce que du coup, j'avais pris pas mal d'échantillons. C'est toujours les mêmes, hein, qui reviennent. Donc, j'ai pris un terre d'Hermès. Un petit échantillon du terre d'Hermès. C'est un parfum pour homme. Enfin, c'est une autre toilette pour homme. Mais ça, je sais à qui je vais le donner. Je sais que c'est un parfum qu'aime bien mon meilleur ami. Donc, petite dédicace. Voilà mes achats Sephora Gold. J'espère que vous aussi, vous avez fait quelques petites folies et je vous invite à me dire ce que vous avez acheté dernièrement chez Sephora. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en action le plus rapidement possible. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air et à vous abonner si ça n'est pas encore fait.
Et puis à aller sur mon Utip et regarder une pub ou deux pour soutenir mon travail et ce que je vous propose sur cette chaîne. Je vous remercie énormément pour tout. Bien évidemment, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!